Je suis Sandra, j'ai 39 ans et je suis Lucerne depuis 2 ans à peu près. Je m'appelle Emma, j'ai 9 ans et je supporte Lucerne. Je m'appelle Loubi, j'ai bientôt 6 ans. Mon entraîneur c'est Tom Koch et aussi moi je joue au rugby en U6. Aussi sur ce terrain-là, on fait des bras de chevalier, on fait des matchs, on plaque. On doit marquer des essais. Et il adore ça. Déjà, à 6 ans, on leur apprend les valeurs du rugby, le respect, la combativité, etc. C'est un sport qui peut être vu en famille. Mes enfants viennent souvent avec nous. Beaucoup de joueurs sont devenus maintenant des amis proches, puisqu'ils viennent régulièrement dehors des matchs. On se voit souvent, ils viennent à la maison. La petite fille... disait que j'adore, c'est ma meilleure amie et j'adore jouer avec elle. C'est nice parce que c'est mon meilleur joueur. Avant il avait marqué 2 essais, alors du coup moi j'aime bien mon copain Nice, aussi Tom Koch parce que c'est mon entraîneur. J'aime bien quand ils ont marqué un essai, après je mets les drapeaux, bah on chante. Allez, du jaune à l'hiverne, ici, oh, les drapeaux. Ici, ici, c'est nos verts. Ici, ici, c'est nos verts. U sonne, U sonne, U sonne, U sonne. Quand on crie dans les matchs, après le lendemain, on n'a plus de voix. On suit l'équipe première, mais on suit aussi l'équipe B, on suit aussi les féminines, on suit les Belasquins. On essaye du mieux qu'on peut suivre toutes ces équipes et l'équipe B effectivement mérite un beau coup de projecteur. Il joue vraiment très bien, c'est rapide, c'est vif, c'est efficace et ils font un beau parcours et ils méritent de garder leur bouclier. Cette année, si je peux retenir un bon souvenir, c'est le dernier essai à Blagnac. Dans le temps additionnel. Ce que je peux souhaiter à l'équipe 1, c'est de faire confiance aux jeunes, faire jouer les jeunes qu'on a en réserve, qui méritent leur place en équipe première, en remerciant en tout cas ceux qui vont partir et en accueillant du mieux possible ceux qui vont arriver, les nouvelles recrues, et j'espère qu'il y aura une belle cohésion et que la magie va opérer. Qu'on retrouvera l'ambiance qu'on a dans les gros matchs. Il faudrait que cette ambiance-là reste tout au long de la saison, ou près en tout cas. On continuera, nous, de nos côtés supporters, à être derrière l'équipe, quelle qu'elle soit. Et on espère tous cet objectif commun de monter en Pro D2. Essayez de venir un jour au Pré et vous verrez, on passe une très bonne soirée. Il y a un très beau spectacle à voir et une très bonne ambiance, même après le match, très bonne troisième mi-temps, donc n'hésitez pas à venir, surtout les femmes, voilà. Il y a une autre que je connais, c'est la tournée du patron. Et on part pas tant qu'on l'a pas. Ouais.